Au XVe siècle, quand Vincent Ferrier vient à Perpignan, les passions sont vives. On se déchire, on entre vite en transe quand est dénoncé quelques amateurs de nouveautés ou de simples discussions. On s'excommunie au nom des papes différents et des pays qui soutiennent chacun le sien. Le peuple, qui a du mal à comprendre ces conflits, ressent une menace pour l'unité et pour la paix. Les violences populaires se déchaînent aussi soudainement qu'un coup de tramontane. Vincent Ferrier voit jeter en prison des hommes dont la société se débarrasse et qui ne sont pas tous coupables de grands délits. Ils sont un danger pour l'unité religieuse. Ils gênent la stabilité politique. Ils troublent la sécurité publique. Alors, à Perpignan, comme un peu partout, on condamne, on pend, on décapite. Dans les rues qui vont de la prison à la porte Notre-Dame, sous le Castillet, pour se rendre aux Fourches, le lieu d'exécution, la foule est grouillante. On s'entasse le long des murs. On veut voir le cortège d'un condamné à mort, les mains liées et les yeux bandés. Souvent, l'émeute se déchaîne. Des condamnés sont arrachés à leur garde et massacrés sur place par les spectateurs se transformant en bourreaux. Vincent Ferrier n'a ni pouvoir, ni mandat pour arrêter le sang qui coule. Mais il a un cœur aimant et s'émeut de pitié pour ceux qu'on sacrifie au nom du bien commun. Il sait que tous ne sont pas coupables d'actes répréhensibles. Mais voir le sang couler rassure les foules. En se faisant à soi-même justice, on s'imagine se libérer de ses propres peurs. Mais la vengeance fait grandir la violence et refoule la culpabilité dans l'intime des faux justiciers. Un condamné est-il nécessairement un coupable? Plus Vincent Ferrier médite sur la passion de Jésus, l'innocent condamné à mort injustement, plus il découvre que tout condamné ne mérite pas toujours sa peine. Et qui donc survivrait si tout coupable devait être exécuté? Oh,
La procession est partie de l'église Saint-Jacques, tout en haut de la ville, là où elle fut fondée. Descendue jusqu'à la cathédrale, lieu de la cathèdre de l'évêque, son siège, le cortège des pénitents et des mystères fait une halte devant le dévot Christ, présenté sur le seuil. Cette sculpture, chef-d'œuvre du XIVe siècle, est chère au cœur de tous les Catalans, comme aux amateurs d'art. Il faut prendre le temps de la contempler pour y découvrir sa richesse d'expression de la souffrance, mais aussi d'une vie nouvelle et transfigurée par amour. Le visage émacié surprend. La bouche entrouverte laisse deviner le souffle absent. Les os saillants à fleur de peau peuvent se compter. Le sang caillé colore sa chair des traces de violence. Il est une plaie cadavérique qui atteste la mort. Certains refusent ce signe d'un christianisme traumatisant. Mais du serviteur souffrant décrit par le prophète Isaïe, des lépreux, des rejetés et des grands malades, on détourne aussi la face. D'autres y retrouvent leur histoire ou l'image de blessures qui les touchent. Déportés des camps de la mort, tuberculeux, malades du sida, cancéreux, exilés affamés. Mais dans son réalisme exacerbé où s'inscrivent sa souffrance et sa mort, il livre aussi des signes à contempler de sa résurrection. Sa poitrine d'asphyxié n'altère pas sa dignité ni sa force intérieure. Ses plaies ouvertes et son thorax creusé clament qu'il s'est vidé totalement livré. Grand frère de tant d'agonisants, il transfigure la laideur de la mort. Sa barbe et sa moustache, très soignées, délicatement taillées et bouclées, ne sont pas celles d'un crucifié. Sa chevelure, bien peignée, plissée avec ses mèches torsadées sur la nuque, qui à l'origine formaient 9 tresses, n'appartiennent pas à un torturé à mort, mais relèvent d'une élégance princière et d'une divine beauté. Ses yeux caves et cernés ne sont pas clos sur le néant, mais reposent dans le sein de Dieu, son Père, et nous ouvre au don du pardon. Il sera mon frère un jour ou une nuit quand viendra ma propre mort. Et dans l'angoisse de ce passage, il révèle l'invisible présence qui fait demeurer dans la parole silencieuse et vivante. Sa chair, donné pour tous, est habillé d'un amour
qui passe la mort. Il est le premier-né de tous nos morts. Son repos nous offre de goûter la joie de l'espérance de Pâques.